bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue, chers amis. Oh, une part de pizza, je peux. Donne la part de pizza. Oui. Je vais d'abord tout manger. Oui. Bienvenue dans Crime. Attends, non, Sand Cleaner. Merci. Crime Sand Cleaner. C'est bien d'avoir tout mangé. Ah oui, c'est vrai que c'est le QWERTY. Enfin bon, bref. Avant de répondre au téléphone à ce connard de Big Jim. Oh, bah tiens, tu. Hey, une petite bière. Merde, il est où ce putain de téléphone? En même temps, c'est un tueur en série, le mec, tu lui réponds pas. Et merde. Attends. Mais t'arrêtes pas de le mettre tout le temps ailleurs! Ah, il était dans la cuisine. Ok! Oh, mais il a même fait les courses! Non, je te comprends pas avec ton accent de merde. Oui, bah j'imagine que t'as fait le bordel. Donc voilà, on est reparti dans nos aventures macabres. Bien sûr, de nettoyage de scènes de crime. Oh. Tu peux le manger? Non, tu peux pas le manger. On a mangé l'autre pizza, mais on n'a pas mangé celle-là. Bon, moi, tant pis. Non, mais il faut au moins la mettre dans le frigo. Tu peux ouvrir. Oh, regarde, il y a des canettes. Bon, écoute, pose ça là. Prends l'assiette. Best game ever, quand même, hein, si tu peux faire ça. Ah non. Oh. Voilà. Oh, bah, et bah, toutou. Tiens, régale-toi. Tu fermes là? Ferme. Et bah voilà. Bon, c'est pas mal. Attends, je vais lui verser de la bière. Non, ça, non, je déconne. Je déconne. Mais c'est vrai que ce serait. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans le. Bah, malheureusement pas. Mais voilà. Bon, le cœur y est. Le cœur y est, hein, vous avez compris évidemment. Bon, bah, nous voilà à nouveau dans ce jeu incroyable. Qui me fait complètement craquer. Ouvrir, c'est pour les compétences. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas mis les compétences la dernière fois. Je voulais, général, le sens du Wisher. Voilà, parce que ça, c'est chasse au trésor. Ouais, mais chasse au trésor. Chasse au trésor. Réduit le temps de recharge de 2. Et puis. Augmente la durée du sens, ouais. Mais j'ai pas plusieurs points. D'une seconde. Écoute, 4 points, oui, mais. D'accord, mais je peux pas plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il affaiblit les tâches, hein? Il affaiblit les tâches à proximité avec le temps. Comment ça? Ozonateur? Tâche à proximité. Bi-électrique bavard. Ouais. D'accord, donc je peux choisir soit l'un, soit l'autre. Mais pas les deux, d'accord. L'eau, les seaux, ça c'est fait. Nettoyage, oh, ça fait plus ou moins fait, quoi. Les outils. J'ai pas de lampe de poche. J'ai toujours pas trouvé cette foutue lampe. Ah bah la voilà, d'accord. Donc il faut faire ça. C'est sûr. Lampe de poche. Ok, super. J'ai une lampe de poche maintenant, j'espère. Mais voilà. Bon bah allons prendre cette mission. Oh, il y a du jus d'orange. Du jus de fruits, c'est de la pomme. C'est pas de l'orange. Il est où le toutou? On dit au revoir au toutou. Et puis, mais c'est bien parce que c'est un peu mieux rangé. Il a fait les courses et tout. J'ai l'impression qu'il se sent mieux. Où est le chien? Ah, il est là, le coco. Are you hungry, Dexter? Oh. Do you like pizza? Do you like pizza? Mais oui, je t'ai mis une pizza dans ta gamelle. Ok. Allons voir. Cherchons. Ah, bravo. Qui laisse des seaux en métal chez lui? Ah, bah bravo. Ok. La cave. Non, mais arrête avec tes seaux en métal. Putain, les mecs, ils savaient pas quoi mettre dans la cave. On va mettre des cartons, des caisses en bois et des seaux en métal. Oui. Vache. Vous êtes quand même, hein? Vieux casier d'usine qu'on sait pas quoi foutre. Bref, allons-y, nettoyer le restaurant. Alors, les autres enfants sont. Oh putain. Oh, ça a été une journée difficile et je dois juste l'exprimer.
Salut papa. Oh loulou. Tata, je me suis fait des amis, mais certains enfants sont idiots. J'ai dit à Katie que mon père travaillait comme concierge. Et toute la table a commencé à rire de moi. Alors, c'était tellement méchant. Tout le monde se moquait de moi. J'en avais tellement marre que j'ai dû partir. Mais ne t'inquiète pas, papa. Je sais que tu travailles dur. Et je suis fier d'être ta fille. Oh alors, bah bravo. Ok, bon, s'il te plaît, donne une bonne friandise à Dexter. Je vais donner de la pizza. Voilà, ça compte. Putain, par contre, ouf, la vache. On n'a pas fini. Apparemment, c'est très grand. Et moi, je mets un temps fou à faire les trucs. On va en avoir pour 3 heures. On va en avoir pour 3 heures. Let's go. On va tâcher de travailler un peu plus vite quand même. J'espère que ça va aller. Ok, pizza. Oh, qui c'est qui n'aime pas la pizza? Qui n'aime pas la pizza? Alors, comment il s'appelle déjà? Al Panino, je crois. À Mulhouse. Oh là là, vous imaginez pas, les pizzas sont incroyables. Elles sont... Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, des pizzas, mais quand t'as goûté à sa pizza... C'est... Bon, évidemment, c'est des vrais Italiens, mais des vrais de vrais. Quel massacre, pour enfin être habitué à ce travail. Ouais, bon, bah ça, de toute façon. Oh, bah Big Jim, ça, de toute façon. Pas d'échappatoire à Big Jim. Moins pas, je suis, je voudrais pas. D'accord, on a une petite ruelle à la fin. De la map, j'imagine que c'est dans le camion qu'on va mettre les cadavres et tout et tout. Ruelle. Attends. Oh, understood, hein. Chose de plus, veiller à Harpy commence à nous crier dessus depuis la fenêtre. Ah. Get to work. Eh bah oui. Find the key. Alors. Oui. Alors, cher monsieur cuisinier, je n'ai aucun respect pour quiconque, mais ce n'est pas Dieu, Gordon Ramsay. Vous devez écouter quand je vous dis de prendre la clé de chambre froide. Vous voulez rester coincé dedans comme le type dans Shining. Oui, du coup, ça veut pas dire qu'on sait où est la clé. Il y en a de belles choses ici, hein. Mamma mia. Bon. Eh ben, mamma mia. Il l'a fait cuire. Excellent. Ah bah ben, j'ai trouvé ma miniature. Une pizza faite avec amour. Oh, excusez-moi, bon, ça c'est la miniature de l'année, hein, c'est pas possible. Ok, tac, donne le... Attends, une petite minute, est-ce que j'ai vu autre chose? Non, poubelle, hein, belle. Ok. Ah oui, donc là, il faut péter encore les trucs. Il y avait pas une petite hache à un moment donné? Excusez-moi, monsieur. Oh, ça travaille dur. Ok, bon, bah j'espère que ça ira. J'espère que vous aimez la pizza, chers amis, parce que, à mon avis, on va en bouffer du pizzaiolo. Quant à lui, il doit avoir une clé, d'ailleurs. Il est bien cuit, hein. Unbelievable. Bon, alors, est-ce que ça s'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Donc il y a 5 cadavres. On a déjà 3, 4. On en a 4. C'est bien qu'il n'y ait pas de témoins ici. Oh, dis donc, c'est quoi? C'est une lotus? Ouais. Oh, il veut pas. Allez, mène-le sur le cul. Voilà. Oui. Ok, donc du coup... Time for a bag swap. Oh putain, mais faut encore tout casser. Allez, casse tout. Throw it away. Ok. Ça dégage. Oh putain. Alors ça, c'est stressant. A
need to empty the trash can first. Ouais, ouais. Ça, c'est stressant. Les sirènes de police. Déjà plein. Eh ben dis donc, il va m'en falloir des sacs poubelles. OMG, ben, je suis en train de mettre toute la table dans mon sac poubelle. Alors ouais, forcément. Oh puis c'est inintéressant possible. C'est génial. Bon, on va essayer de choper la caisse. J'espère qu'elle est là. Allez, casse-moi cette table. Ouais, j'espère quand même qu'on a de quoi faire niveau pognon. Bon, ça doit rapporter 11 000. En général, il y a 6, 7, 8 000 balles de trucs à piquer ou ce genre de choses. Donc, ça peut pas mal se passer. Pardon, monsieur. Joli costume italien. Voilà. Bon, alors, je vous cache pas. Bon, puisqu'on est dans la... Comment dire? Dans la ville ennemie. Un jour, j'ai... je devrais peut-être pas le raconter, ça. Comme ça, vous saurez que je suis un salopard. Je suis un vendeur, c'est normal. Mais ouais, un jour, j'ai eu un type. Un type qui arrive avec une BMW neuve. Il est jeune, la trentaine. Il est beau. Il est super bien sapé. Il a des cheveux magnifiques. Le type, il avait un machin à me vendre. Bon, je vous dis pas quoi, le pourquoi du comment, mais globalement, c'est un home cinéma. C'est un home cinéma. je lui ai fait, mais alors, tout le discours du vendeur, je l'ai eu à prix modique. Son home cinéma, j'ai fait mes 90% de bénéf dessus. Voilà, j'ose vous le dire, mais il l'avait cherché quand même. Il l'avait cherché. J'ai pas fait de délit de sale gueule, j'ai fait du délit de belle gueule. Voilà, mec, il avait tout dans la vie. Il l'avait, mais absolument tout. Quoi, je veux dire, là, Dieu, il a dit, toi, mon gars, toi, tu vois, en plus, il avait un accent italien. Et il était trop gentil, mais bon, en même temps, c'est lui, il était pressé. Ouais, il était pressé, donc je lui ai dit, monsieur, si vous êtes pressé, c'est pas le... Voilà, je vais lui faire un dépouvante. Non, il voulait pas d'un dépouvante. Je lui ai dit, donner un petit billet dessus, quoi, voilà. Je lui ai rendu service. Mais ce type-là, il... Voilà, là, tu te dis, merde, quand même. Qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Est-ce que sa place c'est pas à Hollywood ou quelque chose dans le genre? Voilà. Après il était content, attention, hein, il était vraiment très très content. Il a eu son petit billet, il est reparti, il s'est débarrassé de son vieux home cinéma. Il a dû en choper un à 20 000 balles. Mais fait, franchement je m'en fous, il faut que je m'en débarrasse quoi. Non, mets des coups. Putain, vraiment là c'est... Bon écoute, fais ça, ça nous changerait un petit peu de ramasser... des ordures, enfin non, pas tout à fait, puisqu'on continue à ramasser des ordures. Ah, shit! Je crois qu'il y a quelque chose dans le... Oh, putain, mais vous êtes chiant à bloquer, là. Bon, voilà, ça, c'est bien, ça. Ok, allons-y. Non, mais voilà, le type, il se ramène, quoi, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toi, tu travailles 10 heures par jour, 10, 11 heures par jour, pour un salaire nul. Il se ramène. Dis donc, j'ai envie de me débarrasser de mon truc qui vaut déjà une petite fortune. Donnez-moi un billet, ça vous va, ah, d'accord, hein. voilà. C'était vraiment un petit truc magnifique. C'était un Marantz. Il faisait du 4K. Et qui était pas dernière génération. Le truc, il avait 5 ans, quoi. Mais un home cinéma qui avait une qualité de dingue, hein. Vraiment une qualité absolument fantastique. J'ai mis 2 semaines à le vendre, mais il est bien parti. Ok, bon bah superbe. Oui, évidemment. Bon, c'est là que tu te dis, il eût fallu augmenter la taille des poubelles. Ok, bon, normalement, il n'y a plus trop de déchets.
que là, il y en a eu quand même beaucoup. Mais bon, alors je tenais à vous rassurer, chers amis, parce que des gens, des Italiens, j'en voyais régulièrement, même très très souvent, dans le magasin, là où je bossais. C'est fou, mais il y a une chaleur humaine qui se dégage de ces gens-là qui est vraiment délicieuse. Voilà, globalement, et ils sont toujours adorables, quoi, mais vraiment toujours adorables. C'est le genre de client, quand ils arrivent, ils te serrent la main, quoi. Ils te font pas la bise, mais le cœur y est, quoi. Oh putain, il est gelé, il vole plus loin et plus vite, tu sais, c'est aérodynamique. Hop là. Merci. Attends, mais il y a combien? On est déjà à 4 cadavres? 5? 4? Bon, l'épreuve. Alors, maintenant que tu as eu le temps de réfléchir, as-tu d'humeur à parler? Merde, il est déjà mort, pourquoi est-ce que tu... Ouais, bon, bref. He really deserves a cold shoulder for a fuck up like that. Quand tu veux, tu me donnes le marteau. Il s'est bien amusé, cet enfoiré, hein. That Big Jim. Méga enfoiré sur 20. Allez, viens là. Beau morceau de viande. Et d'accord, puis tu peux largement rester coincé à l'intérieur, je pense. Non, ça doit être une sécurité. Sans déconner! Arrête de faire semblant que t'es encore en vie! Alors, quand même! Non, mais il va être chargé le pick-up, hein! Il va être chargé! Bon! Écoute, je vais encore prendre celui-là déjà. Là, il y a une porte encore. Viens là, bro! Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire absolument partout! Le bingo! Petite musique italienne très sympathique, hein. Ah oui, alors un jour je vends une télé, mais pas la petite télé, la télé à 900 balles quand même, grande télé, je vends une télé. Et ma collègue en caisse est très occupée, il faut que je fasse l'encaissement moi-même. Qu'est-ce que je fais? Je les fais passer en caisse, je les encaisse, je leur dis merci beaucoup, hein, de ces jours, enfin tout le tintouin, quoi. Eux, ils repartent et j'ai la collègue qui arrive. C'est quoi ça? Dis donc, t'as vu ça? En fait, il y avait un gros point d'exclamation. En mode, le paiement n'était pas passé. Et dépêche-toi de les rattraper. Ils étaient en train de charger la télé dans le coffre. Et je cours, je tape mon meilleur sprint. Alors, le Taylor... non, c'est Tyrion. Tyrion. Je tape mon meilleur sprint. Je cours derrière, ils étaient italiens, ils étaient adorables. Et je les rattrape, hein. C'est que des jeunes gens, en plus très beaux tous. Et je leur dis pardon, le paiement n'était pas passé, vous pouvez venir régler s'il vous plaît. Ils étaient mais à deux doigts de partir. Je sais pas ce que je suis en train de faire à l'extérieur. À deux doigts près, je leur offrais une télé à 900 balles. Et je les ai évidemment plus jamais revus. Je les ai évidemment... plus jamais revu. Mais c'est quoi la différence entre ces deux sauts, quoi? Oh, et puis... Pas du tout. Mais vous imaginez un petit peu... Bon, est-ce que je me serais fait virer? Ouais, c'est fort probable, hein. C'est fort probable. Ouais, bon, écoute, ça, tu peux prendre tout de suite. Petit Uzi. Ah, est-ce qu'il y a un cadavre? Il y a un cadavre, forcément. Ce serait pas drôle, sinon... Est-ce qu'il y a quelque chose dans la cuvette? Moi, je mettrais des trésors dans la cuvette. Vincent, is that you? Vincent, est-ce que c'est toi? Et mercredi... Hop là, je mets encore des tas... Ouais, ça va aller. Eh ben, dis donc, c'est la fête des cadavres, hein. Ah, beaucoup trop à mon goût. Ça, c'est une Mercedes, une petite classe C. Classe E, il fut un temps. Vous avez les phares ronds. Ah, quand même, merci. J'espère que c'est le dernier. J'espère qu'on va enfin pouvoir commencer à bosser. Du coup, il me faut de l'eau. Il y a encore des balles quelque part? Est-ce que j'ai vu des balles? J'ai l'impression d'avoir vu des balles. Il y a une pizza.
tout va bien. Hop là. Et ta-ta-ta-ta-ta. Détergent, 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 Jean. Bon bref, voilà quoi. Sinon j'ai un monsieur qui était italien, qui était ingénieur, qui était pété de thunes, qui travaillait juste à côté, à l'aéroport, et en tant qu'ingénieur évidemment. Et le quand il avait un truc, quand il avait envie d'un truc, t'avais pas besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Ah oui non mais c'est bon je prends. Il arrivait, il était énorme, hein, grand monsieur, mais au sens propre, hein, comme vous figurez d'ailleurs. Et il te serrait la main avec son énorme paluche, tu sais. Trop gentil. Et puis évidemment, un jour on avait un sac à main de grande marque, disons-nous, qui coûte très très cher. Il téléphone à madame, il me fait ah non, moi je veux ce monsieur-là parce que j'ai mon jeune collègue. Bon, il les conduit un peu gentiment. Il fait ah non, je veux que ce soit lui, je veux que ce soit lui. On se connaît, hein, j'ai déjà vendu des trucs. Et il me fait tiens, tu me donnes ça, puis ça, puis ça. On avait pour 4000 balles. Voilà. Ah, c'est vraiment un grand seigneur, un peu à l'ancienne. Très très gentil en plus. Hein. Ok. Ah, bah ça m'avait manqué, hein, c'est sûr, tu vois, si j'avais pas la lumière, j'aurais pas vu les traces derrière la porte. Du coup. Bon, bref, ce sont des choses qui arrivent. Oh, mais non. C'est pas moi, je vous promets, c'est pas moi. Je vous promets, ça l'a fait tout seul. Je crois que le démon nous a suivis. Back to the roots with good old toilet cleaning. Good old toilet clean. Je vous promets, il tape tout seul. Le démon nous a suivis. Le démon, il avait envie de pizza. Non mais lâche. Voilà, démon, il avait envie de pizza. Il dit, oh, un petit resto italien. Allez, ça fait longtemps. Mais oui, puis en plus, mon père, il va tout le temps en Italie, là. Chier. Faudrait que j'y aille aussi un jour. Deux semaines là pour visiter Rome. Ah oh, putain, j'ai envie de faire. Bref, allez, retournons au jeu, bien sûr. Bon, qu'est-ce que ça donne là? Ça va? Globalement, apparemment, ça va. Il y a des projections là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? The world is fast and strong. The stone. The water. How fast that run. Robot will replace you. D'accord. Déjà le cas, bro. Hein. C'est déjà littéralement le cas. Alors je... oui, les robots vont nous remplacer à tout point de vue. Et quand je dis à tout point de vue, c'est à tout point de vue. Il y a... on a des comédiens de doublage qui sont exceptionnels. Hein. Je pense vraiment à eux parce que ils ont un talent absolument monstrueux. Il y a vraiment aucun souci là-dessus. Par contre, par rapport à ce que Felia... J'ai envie de dire, c'est... Je vais me faire des ennemis, hein. Parce que je les adore, en plus, hein, vraiment, hein. Mais c'est impossible de lutter. Moi, je... J'ai pas mal essayé les différentes IA, qui sont en plus gratuites, parce qu'il y a des versions qui sont encore plus intelligentes. Mais ils sont capables de faire des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. D'ailleurs, le futur de YouTube, ça sera moi qui parle français. Mais ça sera traduit dans toutes les langues. YouTube va forcément mettre ça en place. C'est impossible sinon. Vraiment, et ça prend pas énormément de puissance, et c'est tout à fait faisable. Donc ça c'est... Un jour, si vous êtes anglais, vous m'entendrez parler en anglais, avec les mêmes intonations, avec les mêmes vannes à la con, avec... Il n'y aura pas besoin de passer 10 ans à traduire et ce genre de choses. C'est littéralement le futur et ça va arriver. Impossible de lutter contre ça. C'est impossible. L'IA est d'une force incroyable. Et en plus, c'est la force tranquille, quoi. Quand je parle à ChatGPT, même si il y a un sous-texte que je veux faire entendre, il y arrive sans souci à le comprendre. C'est incroyable. Tu peux le piéger vite fait, mais... c'est fou à quel point c'est comme dans le futur. C'est un véritable ordinateur qui sera presque conscient. Presque, il a parfaitement conscience de son existence, de ce qu'il est, de son rôle. C'est incroyable et ça va forcément arriver très très vite.
Donc vraiment, il y a les comédiens de doublage, je vous adore, vraiment. Que ce soit Donald Ryu, que ce soit la voix de Sangoku. Ah, bon sang. Mince, alors bah, j'ai une très mauvaise mémoire pour la mémoire des noms. Mais Brigitte Le Cordier, bien sûr. Mais que ce soit, ah, bon sang, l'autre voix de Sangoku que j'adore. Bon, bref, son cousin vient souvent sur la chaîne. Il me parle de lui assez régulièrement. Et en fait, malheureusement, quoi, c'est un métier qui, je pense, qui survivra pas. Qui ne survivra pas. Il suffira d'avoir les mêmes voix que les acteurs d'origine qui parlent anglais ou une toute autre langue. Et ça se traduira automatiquement avec la même intonation. Et t'auras juste à laisser faire l'IA. Et c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Moi, j'avais une lettre très compliquée à faire pour mon père. Très très compliqué. J'ai expliqué la situation en 3 phrases à ChatGPT. Il m'a fait une lettre de dingue. Il m'a fait une lettre de dingue avec tous les détails, même à des trucs que j'y ai pas pensé, à des formulations et à des tournures de phrases. C'est absolument dinguissime. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Donc c'est le futur. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas familiarisés avec les IA, mais vous assurer que c'est le futur avec un grand F. C'est vraiment le prochain tournant de l'humanité. Vraiment le prochain tournant de l'humanité. Il y a eu la voiture, il y a eu Internet. Il y aura forcément. C'est des pizzas qui sont planquées sur le. D'accord. Il y a eu l'IA qui va gérer nos vies et nous divertir, mais complètement, quoi. C'est marrant, c'est quoi cette petite tache de sang qui est sur le côté. Ah d'accord, je pense que c'est l'éponge qui est sale. D'ailleurs, l'IA va pouvoir aussi créer des jeux vidéo. Ça va forcément être fait. D'ailleurs, je pense qu'il s'aide déjà grâce à ça. Et d'ailleurs, dans les jeux vidéo, prochain Elder Scroll, on parle de lui, mais GTA, malheureusement, GTA 6, ils le feront pas apparemment. Mais il y aura des IA intégrées dans les PNJ, et les PNJ vont pouvoir venir te parler avec leur propre caractère. Après, est-ce qu'on va s'attacher encore plus? Ça, c'est fort probable. Imagine, t'as un micro, tu parles à un PNJ, il te répond. Il peut être sarcastique, il peut être drôle, il peut être... Le futur. Alors ça va être un petit peu compliqué, mais écoutez, on fait déjà ça et puis on passe à autre chose. Je sais que je suis en train de regarder pour avoir un montage plus dynamique grâce à une IA. Elles savent faire un montage correct par rapport à moi. Oh. Par rapport à moi, mais vraiment, la chaîne, je me demande si un jour une IA ne me remplacera pas, fera des gameplays à ma place et dira des conneries et s'appuiera sur toute la puissance d'intelligence d'Internet pour vous sortir un tas d'anecdotes à la con, quoi. Saviez-vous, un jour, un type a eu une mort stupide, c'est un... comment il dit, c'est un beaver, c'est un castor qui lui a mordu... La jambe et sur la veine la veine aorte, c'est ça, et il est mort d'une hémorragie causée par la morsure d'un castor, quoi. Voilà, non mais ce genre d'anecdotes, ils vont en sortir des milliers des cents. Il suffira de demander. Y a-t-il autre chose? Non. Alors est-ce que toi tu pourrais dégager, s'il te plaît? Est-ce que toi t'es sale? Je pense pas. Le problème avec ce genre de choses, c'est que c'est toujours compliqué de les tourner. Ok, donc toi, tu n'es pas trop sale. Il a quand même pas trop été hyper sale, le Big Jim, hein, pour une fois, j'ai envie de dire. Moins sale que d'habitude. Enfin, globalement, j'ai pas des litres d'hémoglobine en hors, cela dit. Ok, alors, il y a cette table-là. C'est propre là, la table. D'accord.
Hop là, allons-y. Ça va, là, le seau, il est plus trop sale, hein. Oh, bah bravo. Forcément, forcément. Allez, le sens de Wisher, là. Non, mais arrête ça. Tu vois, tu sais ce que je veux faire. En plus, tu le sais, ce que je veux faire. Pourquoi tu le fais pas bien? Ça manque d'IA. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça se nettoie? Oh, pas très très bien, mais bon, on va frotter, hein. Frotte ta frottille, mon chef, hein. Comme dirait l'autre. Et ok. Bon, et franchement, petit restaurant de pizzeria sympa. Non, plonge ton éponge là-dedans. Et je voulais faire cette table-là. Et voilà. Et les salles, cette chaise? Pas du tout. Alors, ça aussi, c'est une chaise qui est propre, globalement. Tu n'es pas sale, tu n'es pas sale. De toute façon, je pense que s'il me laisse la mettre en place... Et mercredi, attends, et ça plutôt. S'il me laisse la mettre en place, je pense que c'est pas sale. Allez. Ok. Voilà. Alors. Ok, autre chose. Alors, est-ce que vous vous demandez si quand je vous fais un commentaire, j'utilise une IA ou pas? Alors, sachez que ça existe, mais que je ne l'utilise pas. Voilà. Je préfère vous le dire. J'ai essayé 2-3 fois, mais c'est très impersonnel, en fait. C'est comme si bah, je ne vous connaissais pas et que, en fait, ce soit quelqu'un de très neutre et de très lisse qui faisait le commentaire. Très bien pensant aussi. Alors que moi, j'ai quand même un petit peu ce côté sale et j'ai très très peur que vous ne me reconnaissiez pas. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Ok, donc là il y a un mur. Ouais, mais d'abord ça. D'abord ça. Il y a plein de petites tâches. Si tu n'utilises pas le machin là, tu ne les verras pas. Hein. Il y a plein de petites tâches. J'ai peur de les manquer là. Tu regardes. Non, pas du tout. Et voilà. Une trace de pas, ça c'est moi ça encore. Gros dégueulasse. Ok. Bon, les toilettes, elles sont pas tout à fait... Si, c'est propre là. C'est propre. Ouais, c'est propre. Putain. Ah, il y a la police. Imagine, ils s'arrêtent, ils veulent venir prendre une pizza. Avant de rentrer chez eux, tu sais, ils finissent leur car. Ils arrivent. Oh, une petite pizza avant de finir. Oh, on passe chez Gino, là. Comment il s'appelle déjà, le... Alors, c'est... Signore Matteo, pizzeria. Alors, je crois que j'ai littéralement 3 couples d'amis qui ont appelé leur fils Matteo. Il y a... Il y a 10-15 ans, c'était la mode à l'époque. Voilà, il y a des Matteo, maintenant, il y en a partout. Pourquoi? Ok, bon, c'est joli, maintenant, voilà. Ah, je crois que c'est finito. Pose ça. Ah, je vous promets. Ah bah, c'est pas une sinécure, hein. Nettoyeur de scène de crime. Allez, hop là. Prends ça, on met ça en place. T'es sûr que t'es pas sale? Il me manque une chaise. Il me manque une chaise. Non, toi, tu veux pas te mettre en place, hein, évidemment. Alors, j'utilise pas le Karcher là-dessus. Parce que. Voilà. Bah, j'utilise. Voilà. Quelle excuse pour pas utiliser le Karcher? J'en ai aucune. Et voilà. Ah oui, il y a les plateaux aussi. Nettoie-moi ça.
Comme ça, on s'en débarrasse. Tray so clean, you can eat off of it. You can eat off. On peut remanger de... Oh merde, bah alors. T'as vu? Sans la lumière bleue, c'était même pas la peine. Ah mais attends, je dois sûrement ranger les plateaux sur le... Oh putain. Je dois sûrement ranger les plateaux dans le... sur le rack. Oh, attention. C'est pas un tableau. Bon, ça doit être une ardoise. Ce doit être une ardoise. Ok. À mon avis, celui-là, va falloir prendre le Karcher. Obligatoire. I don't think that Big Jim is on the menu anymore. Boys. Ah bah j'ai pas pris. Oui, parce qu'il y avait du sang partout. Du coup, je voulais d'abord nettoyer. Je voulais d'abord nettoyer pour mettre des traces de pas partout. Et ensuite seulement attraper l'autre sac. Ça avait l'air d'être un bon cuistot. C'est quand même con, hein. T'es cuisinier, tu fais des pizzas, t'adores ça. T'as la Dolce Vita dans un petit restaurant. Trop mignon, trop sympa. Et là, tu tombes sur Big Jim. Et puis, c'est finito. Ok, allez. Combien de cadavres il nous reste? Oh, faire des spas. Il y en a 11 des cadavres. Ah ouais, mais il faut lire aussi. Oh, putain. Remettre les meubles en place. Oh, putain. 11 des cadavres. Mais la vache, va passer une aperçue avec ça. Disparaît, oui, génial. Bah, il doit y avoir une autre pièce par là. Ouais, ça, c'est moi, ça. Oh, écoute, on finit déjà le restaurant ici. Alors, c'est ça le petit souci, tu vois. Si je prends le Karcher, là, je vais tout dégueulasser. Oh bah tiens, il y a du... Ouh, du pognon. Non, donne le pognon. Non, s'il te plaît. Il y en a au fond aussi. Toujours bien regarder dans ce jeu. Ok, la clé. What secrets do you hide? Ok. Tommy, souviens-toi. Monsieur Gatti, ton ami, hein, c'est important. Le client habituel. Ouais, bon, bref, allez. Nouvelle preuve. Y a pas une caisse quelque part là? Un paquet de chips. Une pizza. Je peux l'ouvrir? Pas du tout. Est-ce que je peux la mettre à la benne? Oui. C'est juste un carton. Est-ce que je peux manger une pizza? Oh! Salut! Elles ont l'air bonnes. Les cartons, les tomates. Ouais. À mon avis, ça a dû servir. Un petit peu de sauce tomate, bien sûr. Ça, c'est comme moi dans Taverne Simulator. Ah oui, c'est vrai. D'abord la lumière bleue. Ensuite, ce truc-là. Ah, il a peut-être essayé d'appeler quelqu'un. Too late, bro, too late. Ok, voilà qui est fait. Alors, je voulais surtout nettoyer les murs. Ouais, oh là là, il y en a plein partout. Putain, tu fais chier, Big Jim. Hein. Tu fais ça, mais comme un cochon. Donc, la particularité de l'éponge, c'est que tu... Ah oui, bah c'est du sang. Ça, c'est quoi? C'est la porte d'entrée? Bah oui. T'imagines, tu laisses une trace de sang comme ça. Tu nettoies pendant des heures et des heures et il y a une trace que t'as pas vue. Catastrophe quand même. Hein. Là, les flics, ils se disent, ah ouais, mais il y a eu quand même un souci, là. Là, il y a quand même un souci, bro. On va faire ça comme ça. On va faire ça proprement. Alors, est-ce que je peux utiliser quand même le Karcher? J'essuie la trace de sang sur la pizza en elle-même.
Et du coup, le Karcher. Mon cher Karcher. Il est plein, pour l'instant. Donne. Alors. Ouais, parce qu'il y en a quand même sur les murs et c'est compliqué. Gris de l'encre. Est-ce que tu pourrais te rapprocher? Non, fais voir. Non, parce que je voudrais bien voir jusque là-haut. Allons-y. Oui, parce que si tu fais ça, quoi, tu vois. Cela dit, si tu bouffes pas la farine avec ton Karcher, ça devrait aller, je pense. Eh ben, c'est pas mal. Est-ce que le truc est caché quelque chose? Eh ben voilà, c'est tout propre. Il nous reste encore ça. Ça éteint pas le feu. D'accord. Beaucoup de sauce tomate sur ce four à pizza, hein. Oui, j'ai compris. Calme-toi. De toute façon, il faut aller le remplir. Mets-toi, genre, là. Je vais avoir besoin de toi incessamment sous peu. On va changer de pièce bientôt, chers amis. Encore le schmurz, là, qui est là. Bon, ça, c'est juste de la saleté, quoi. Petite musique italienne, là. Franchement, c'est la détente, hein. Alors, est-ce que ça c'est de... Oui, là, ça, c'est quand même du sang. Et il y en a même là, globalement, ouais. Non, ça va. Alors, si j'éteins le... Ouais, tu vois beaucoup moins bien, quand même. Genre ça, ouais. Non, allume. Allume. Ouais, tu vois qu'il y en a encore là. Ouais, non, mais il y a une différence. Avec ou sans la lampe, il y a une différence. La différence. Ah bon. Non, ah putain, déjà plus de... Ah, il faut que j'augmente la capacité de ce truc-là. C'est quand même trop utile. C'est peut-être pour ça que c'est mieux de faire ça soit à l'éponge, soit directement au balai. Pas obligé de faire la navette toutes les deux secondes. Bon, tu me diras, c'est sûrement fait exprès. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Alors, par contre, il y a ça. Et oui, il y a tous les plateaux à mettre dessus. Attends, il y a une chaise encore. Bah là, voilà, la chaise. Ok, et les plateaux. Attends, il y a tellement de plateaux à mettre en place, là. Tu. Oh là là. Bon, qui peut jouer à ça sans se dire ce soir c'est pizza? C'est impossible! J'en ai pas trop mal là. En plus, oh, j'ai de la charcuterie, du fromage. Hein. On va pimper ça un petit peu. Encore! Génial, did it again! Oups, aïe, did it again! Ok, ça c'est bon. Les plateaux, ils sont dessus. Il manque un plateau. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ce plateau est orphelin. Voilà, non mais ce plateau est orphelin. Voilà. Ah bah si, quand même. Ouais, tu te fous de ma gueule. Bon. Eh ben, on a fini. Globalement, on a fini. C'est magnifique. Regarde comme c'est beau. Sans du Wisher. Ah, putain. Allez, avance. Non, y a rien. Je ne vois rien. Voilà, c'est magnifique, ma chérie. Ça se pub.
Il y a rien alors. Par contre, est-ce qu'on a fouillé quand même un petit peu au niveau de... Non, je pense pas. On va chercher quelques trésors. Il y a rien qui s'ouvre. Non, tant pis. Tant pis. Attention. C'est vrai qu'il va falloir nettoyer ici aussi. Oh, il n'y a pas grand chose à faire. Un petit coup de karcher, je pense. Petit coup de karcher. Allez, ramène le seau. Ok. Ouais, bon, utilise encore celui-là. Ah non, tu veux pas utiliser deux fois le même? D'accord. Ok, le balai est certes, mais le karcher que j'ai mis ici. On va peut-être faire tout de suite le... Parce qu'il y a encore trois autres cadavres, quand même. Est-ce que t'as mis du sang d'humain sur la viande? Oh, ça c'est pas possible. On en a branlé, j'imagine. Petit coup de karcher là, c'est bon. Et merde, je vais encore le renverser. Je vais le renverser. Mets-le dehors. Mets-le dehors. Sûr et certain que je le renverse. J'imagine que tu veux que je passe gentiment l'éponge. Mais perso, j'en ai rien à carrer. Ok, bah c'est pas mal. On va quand même juste faire venir la lumière bleue. Non, cela dit. Hein. Bon. Allons-y. On va juste le recharger. Qu'est-ce qu'il se vide vite celui-là? Pas teindre. Ok, donc du coup, eh ben là, il y a du boulot aussi. Il y a du boulot. Ça, c'était un petit singe. Posez là. On va aller chercher le karcher. Cela dit, je pense qu'on va pas utiliser le karcher du tout. Pour la bonne et simple raison que, bah... Non. Il y a plein de trucs à casser. Ouais, un téléphone, un machin, la moquette qui est dégueulasse. Ouais. Ah, il est où? Ah. Tu. Qu'est-ce qu'il y a derrière la chaise? C'est juste un papier. Oui, maintenant je suis... Comment dire? Méfiant. Ah, ça tombe pas dans le... Ah, putain, mais c'est pas vrai. Ah bah non, voilà, ça ne tombera pas. Ok, ça dégage. Oh putain, un petit bout de papier. Néa, bordel. Calme-toi, c'est pas grave. Tu as fait. Finalement, si c'est grave. Ok, donc là on a un ordi. Ah, tu pourrais le piquer quand même l'ordi. Ça vaut des sous, ça vaut 1000 balles ça, hein, franchement. Hein. Ça vaut largement 1000 balles. Enfin, largement peut-être pas, mais voilà, ça vaut des sous. Ça vaut des sous. Là-bas, il y a une pièce à conviction. Je vais avoir besoin de ma lampe. Excusez-moi, je me mets en place. Ça dégage. Ensuite. Oui, bah, ça, c'était couru. C'était couru. C'est trop petit pour travailler. Ah, mercredi. Ce machin qui est traviole là, ça me stresse. Ça me stresse. Voilà, comme ça, pas de traces de pas sur la scène du crime. Tant
plus, on a même... Ah, oh, dégueulasse. Dégueulasse. Donne. Eh, oui, évidemment, évidemment, c'est un poil compliqué. Donne le... We're fucked, boss. Big Jim knows all about the meeting at Mateo's. On est dans la merde, patron. Run. Enfin, un qui est lucide. Le mec, il a tout compris. Run, c'est la chose la plus intelligente que j'ai entendue à propos de Big Jim. Bon, tu vas pas me dire qu'avec tous les ennemis que ce fameux Big Jim, il se fait, on va pas le retrouver mort incessamment sous peu. C'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Genre, il va bien crever à un moment ou à un autre. C'est impossible autrement. Ok, donc là pour le coup, ça te donne. Alors, qui se crève? Oh, du lait. Du... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Paradis, ah c'est du café. Des papyrs. Non. Ah bah quand même, c'est pas dommage. Des céréales. Qui c'est qui garde du café, du sucre? Bah quand même. Et des céréales dans son bureau. Qu'est-ce à dire que ceci? C'est pas... Ok, bon, allons-y. Alors ça, comme il y a plein de... Non, je peux pas le piquer, ça. Comme il y a plein de choses fragiles, faut utiliser l'éponge. Faut utiliser l'éponge. Comme ça, tu casses rien. Bon bah ça va, en fait on nettoie quand même vachement plus vite hein. Donc là maintenant, yeah. Oui, d'abord ça, après ça, après ça, après ça. Et puis ça dégage, qu'est-ce que ça fout là ça? Qu'est-ce que ça fout là ça? On fait voir, est-ce que je peux par la plus grande? Pas du tout. Alors des fois, je pense quand même que je fous un petit peu de ma gueule. Il va me mettre des placards et des merdes comme ça, mais il va y avoir des choses incroyables comme des gobelets en place dedans. Je pense qu'il faut... Oh, dis donc, balle. Ah bah alors. Jesus. Is that some ladder to hell? Il faut qu'on y aille. Ça, c'est inattendu. Y a-t-il quelqu'un de vivant là-dedans? Wow. Excellent, exceptionnel. Je pense qu'on a trouvé une belle cachette. C'est jouer à la roulette russe avec Makarov. La russe, c'est une roulette italienne. C'est une belle statue romaine. Ça aussi, ça coûte des sous. Ah. D'accord, alors il faudrait qu'on puisse... On va prendre une petite statue romaine, là. Bon, bah ça... Ah, quand même. Enfin, vous avez vu, les trésors, maintenant, ils brillent. J'achète de suite l'obligation. Soit un homme continue à jouer. Oui, oui, bien sûr. Hé, hey, on pas la guitare, là? Petit coup de guitare, là? Non? Dommage. Il y a des vins, et des machins... Où est le pognon? Bah, voilà le pognon. 700! Putain, il y a tellement de billets là-dedans, ça fait seulement 700 balles. Putain, c'est quoi? C'est des billets de 1? Bon, alors j'ai vu le... Par contre, comment je fais pour avoir la lampe? Vraiment, je sais pas comment faire pour avoir la lampe! La musique, je m'en calisse. Moi, j'ai besoin de lumière? Oh, j'en sais rien. Quand je voulais éclairer les zones dans le genre out of ride. Il y a quand même un ascenseur. Allons-y, voyons voir si on peut. 7-0-2-8. Ok. Alors 6 à 7-5-0. Easy peasy. Lemon squeezy. Keep your friends close, and your enemies closer. Oh bon, il vient de... Oui, regarde-moi ça. Et là, il y a écrit des paquets de billets de $100.
c'est les 100 dollars. Donc juste là, il doit y avoir au moins 10 000. Hein, bon, et 100... Oui, non, mais c'est pas probable qu'il y ait au moins 10 000 dollars là, et c'est seulement 300. Bah, c'est pas juste. C'est pas juste que ce soit pas ma vraie vie. Mais bon, 700. Là, à mon avis, il doit y avoir 10, 15, 10, 20. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit y avoir globalement 100 000 dollars. Des pêches. Qui c'est qui fout des pêches dans un frigo? Qui c'est qui fout des pêches dans un frigo? En effet, qui c'est qui fout des pêches dans un frigo? Lâcher, maintenir pour lancer, tourner. Bon bah écoutez, là c'est le banger. C'est le banger, on a bien profité. J'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose. C'est bizarre. J'ai quand même l'impression que cet ascenseur, il n'est pas censé ne pas fonctionner à un moment ou un autre. Keep out the ride. Why? But... Bon bah génial quand même. Débarrassez-vous des déchets, 99%. Bon, ça c'est pas mal du tout. Oh. Écoute, on referme parce que ça me stresse. Ok, bah écoutez, et franchement, est-ce que c'est pas mal du tout? La réponse est oui, bien sûr. Pas seulement pas mal du tout, c'est même très très bien. Bon, on a gagné un tas de pognon, Putain, j'ai encore oublié de mettre mon chrono. Ok. Alors, ouais, j'aurais pu prendre le balai, c'est pas grave. J'ai une éponge en main. J'ai l'éponge en main. Tout va bien. Alors ça, c'est pour Bibi, ça. Koala moche, ça aussi. Ça aussi. Le taureau, tu veux pas le taureau? Taureau de Lamborghini, là. Ok. Bah tu vois, et si je faisais ça au Karcher ou au balai, c'est même pas la peine. Il y aurait du verre brisé absolument partout, faudrait tout mettre à la benne. Et il paraît que ça coûte des sous. J'ai pas vraiment regardé, mais je pense quand même que ça coûte des sous. Putain, mais le mur. Une rodin rapide, ça. Oh, ça c'est gentil, il m'en fait cadeau. Merci pour le cadeau. Très aimable. Le monde, je veux le monde. Donne le monde. Ah. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il doit y avoir un petit billet. Pas du tout. T'as le mec qui fait genre, j'ai une entreprise. Je mets des papiers très très importants dans mes tiroirs. Quand même. Je mets des papiers ultra importants. Le mec, il met des courses, il met des mugs. Enfin bon, bref. Ok, ça c'est fait. Par contre, au niveau des... D'accord, ça, évidemment, c'est là-dedans. Il y a le petit singe aussi à mettre en place. J'imagine. Pas du tout. Alors, fais voir. D'accord, il est là. Y a-t-il autre chose? Ça se pique pas? Pas du tout. Et bah c'est pas mal, on a fini ici. Super, on a fini. What's next? Et où sont les... Oh putain, d'accord. Parce qu'en fait, comme la vieille elle gueulait, il m'avait dit, la vieille était en train de gueuler, donc du coup bah il est monté. Ah bah oui, en effet, là aussi. C'est du pognon. Putain, génial, je vois le pognon mais de loin. Oh, si seulement j'avais cette capacité dans la vraie vie. Et d'accord, ah bah voilà, donc apparemment madame n'a pas eu beaucoup de chance, elle est tombée sur Big Jim. Ah d'accord, ok, bon ça s'ouvre, bah c'est cool. Madame, je suis désolé, alors, mais c'est une serveuse peut-être. Papa, oh là là, pourquoi ne réponds-tu? Pourquoi ne pas répondre ton téléphone? Ah oui d'accord, bah oui c'est son père qui l'appelle. Famille, je travaille là, désolé.
S'il te plaît, trouve un autre travail. Il a quelque chose de louche chez Matteo. Ah bah, tu crois pas si bien dire. Hein. Tous les Italo-Américains ne sont pas liés à la mafia. Manque de peau, cela, oui. Oh là là, non, sois moins prudente. Ouais. Toi et maman, on viendra te voir ouais, dans un jour, Géa. Ouais, et ben je suis désolé, mademoiselle, mais tu vas finir. Tu vas finir là où ton père aurait pas voulu que tu finisses. Malheureusement. Ah, c'est moche. Bon, ce serait bien quand même que Big Jim. Ce serait bien que Big Jim, dans un futur proche, j'ai envie de dire, se fasse descendre. Ça, ce serait vraiment génial. En même temps, vu le paquet de monde qu'il a descendu. Et mercredi. Viens là, madame. Ça, c'était la vieille, évidemment, qui gueulait. D'accord, là, il y a des trucs à piquer. Chez mamie. Il y a du pognon. Vachement bien ce sens de Wisher. D'accord, donc là on peut venir nettoyer, c'est bien. Oui, c'est vrai que je peux passer par là. Voilà la bagnole. On a bientôt fini, chers amis, on a bientôt fini. Bon, c'était vraiment sympa ce petit nettoyage là. J'aime bien parce qu'il y a tellement de cadavres que la bagnole en fait tu les vois plus. Eh merde. Brigitte. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Pardon, madame. Voilà, que la bagnole se... Globalement, elle en a mis 6 ou 7. Et pour le reste, tu te débrouilles. En fait, elle n'existe pas. Voilà. Il y a... Voilà. Ça fait flipper, les flics. Oh là là. Les flics, ça fait flipper. Bon. Donc ça, on prend dans la ruelle... On emmène. Ah bah oui, bah forcément. Donc il a essayé de s'échapper, hein, il a bien fait. Voilà. Il a essayé de s'échapper. Le Karcher, ce sera parfait ici. C'est à l'extérieur, tout ça. Ouais, est-ce que j'ai encore de l'eau? Oui, j'ai encore un peu d'eau dedans. Petit réservoir. Sois prudente, ma chérie. Ah, mais c'est pas la mafia, j'aime mon travail, ils sont gentils. Ouais. Pas évident, ça part pas bien hein, par les traces de pas. Heureusement, on a de l'eau juste sur le côté. Bon, j'imagine qu'il y a déjà plus d'eau pratiquement. Pratiquement. Je me demande s'il y a un autre secret, où est-ce qu'il serait ? Peut-être chez mamie. Parce qu'on a toujours deux. D'accord, bah déjà là il y a quelque chose. Il y a des trucs qui valent du pognon par là. Il est déjà ruiné. Ce salaud avait démoli tout le domaine. Ah, je peux pas le prendre. J'ai pas compris ce que disait la dame. Oui, oh là là. 50 balles, eh bah dis donc. 100 balles. La guitare. Oh, j'aimerais tellement avoir le temps d'apprendre à jouer de la guitare. Trop de vidéos à vous faire. Trop de sorties. Et puis il y a World of Warcraft qui arrive. Il y a, Star Wars de 27. Et WoW aussi le 27, mais je vais prendre la version qui me laisse y jouer le 23. Donc en fait, on va s'y mettre incessamment sous peu, peut-être même aujourd'hui déjà. Ok. Si j'y arrive. Ouais, mais ouais. Ok, super. Ici. Pause. Merci.
Décidément, j'ai l'impression de rater un truc encore. Il y a encore chez mamie. Il y a encore chez mamie. Oh. Tiens, pose et arrête de... Arrête d'être chiant. On va devoir recharger. On va devoir recharger, chers amis. C'est pas possible autrement. Il y a le pneu. La police débarque là maintenant. Genre t'as 4 cadavres dans ta bagnole. C'est un tout petit peu la merde. Hein. Est-ce qu'on ferait pas mieux de le ranger celui-là? C'était sur F. Voilà, maintenant je sais où est ma lampe de poche. Elle est sur F. Ok, et du coup... Où il faut aller là-haut. Ça va être compliqué avec ça. Ok, on a réussi. Ah bon sang. On a réussi. Oh, il y a des peintures et des merdes. Oh, putain, vraiment, c'est le pire pour la fin. Hein. Oh, je peux pas ramasser des peintures à la con là. C'est vraiment le plus chiant à la fin. Hein. Quand tu penses que t'as fini, bah pas du tout en fait. Ok, j'ai mis bien évidemment des traces de pas partout. Okay. Allons-y. Ah bah ça enlève la peinture. Alors, j'ai aussi pris le karcher. Et la lumière bleue, à la rigueur, on peut essayer. On peut la placer. Mon ami, la lumière bleue, que j'aime très très fort. Je vous le cache pas, voilà. J'aime la lumière bleue parce que ça me permet de voir. Je suis toujours en moitié aveugle. Toujours à moitié aveugle et au moins ce mur... Ok. On a presque fini. Eh bah dis donc, c'était pas une sinécure, hein. T'as dit que c'était une belle pizzeria. Franchement, s'il avait été réel, j'aurais adoré faire un tour. Bon, faire prendre le... Oui, bah évidemment, il y en a plein à l'extérieur aussi. Non, 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 renverse pas. Renverse pas, c'est déjà assez la merde pour monter. Et... Bon, c'est génial quand même le jeu qui nous met à rude épreuve. Le jeu qui est demandeur. Voilà, qui est demandeur, qui veut que tu fasses des trucs, là. Qui... Voilà, le jeu. That game. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que le karcher... Sur cette magnifique peinture, au moins j'aurai une fois le karcher surtout en haut. Enfin, et puis c'est difficile, ça part pas bien. Je fais en haut et puis au pire en bas on pourra faire avec l'éponge. Parce que le karcher, tu peux le remplir, le mettre dans ton sac et monter et faire le Yamakasi. Voilà, super. Et maintenant l'éponge et on termine le gros de la peinture. Alors qu'est-ce qu'il y a? Essuyer le 175%. Ouais, bon, globalement c'est le chez grand-mère. C'est encore le tableau qui est là, et normalement c'est finito. À moins que... Attends une minute, on n'avait pas parlé de 11 cadavres. Bon, on va voir une fois en bas, mais... Ok, ça c'est fait, appartement de grand-mère.
100%. Appartement de grand-mère, 100%. 100% pillé également. Bon, bah quitte la scène de crime. Écoute, pour vraiment être professionnel, parce qu'on a tout repris, tu fais ça. Tu mets de l'eau propre. Comme ça, quand tu récupères avec sur eux, ça dégueulasse pas tout. Bingo. Ah bah d'accord, c'était le bingo. Je suis passé dessus 1000 fois et je l'ai pas vu. Ok, débarrasser ou des déchets. Il reste un déchet quelque part. Bon bah chers amis, je trouve pas le déchet qui me manque et le truc à remettre qui me manque, c'est ouais. Non mais arrête, je t'ai pas demandé de te tourner, tu t'es tourné toute seule. Toi t'es placé aussi. Toi t'es placé aussi. Non. Bon, on a fait le tour, hein, globalement. Les preuves, c'est ce qu'il y a de plus important, sont ramassées. Il n'y a pas de déchets ici. Bon, il manque un déchet à ramasser. Il peut y avoir une balle quelque part ou un truc dans le genre. Non mais j'ai beau utiliser le sens du wish. Ah bah alors. Ok, super. Ça, c'est fait. Bah, il faut que je remette encore un truc en place. Mais quoi? Ça, tu t'en fous. Les tables, c'est bon. Les chaises, c'est bon. On va y aller, hein. On va y aller parce que c'est chiant. Voilà. C'est tout match et j'ai beau essayer. Sens du Wisher, voilà, ça ne marche pas. Mais voilà. Écoutez, c'est pas mal déjà. On a bien, bien travaillé. Quand tu veux, on rentre. On rentre. Encore un truc à remettre en place, sans doute un plateau que j'ai pas trouvé, j'en ai aucune idée. Puis tu vois, les plateaux, ils brillent plus. Donc c'est pas mal du tout, je crois qu'on est à 99% au niveau des meubles. Pas non plus dramatique. 97, ah bah oui, mais bon, écoute. Hein. On a ramassé toutes les preuves. L'autre salopard de Big Jim n'aura pas de soucis, malheureusement. On espère qu'il meurt bientôt. On va être en souffrance, bien sûr. Mais on a fini, chers amis. J'aime bien dormir pour voir est-ce qu'il fait le ménage chez lui, est-ce qu'il fait les courses, est-ce que ça va beaucoup mieux. Quand même, là, t'as 18 000 balles d'un coup, avec tout ce qu'on a piqué, bah c'est pas mal. Et du pognon absolument partout. T'as piqué 8 000 balles. Il aurait dû y en avoir au moins 100 000. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien dans le jeu. Oh bah j'ai une musique que j'ai pas trouvée. Et il y a encore un secret que j'ai pas trouvé. Oh oui, bah voilà. Il y a un secret sur 3 que j'ai pas trouvé. Essayez. Un secret sur 3. C'est sans doute une pièce secrète ou quelque chose comme ça. Bon bah voilà. Écoutez, on a bien travaillé. On a même très très bien travaillé. Est-ce que ça c'est une nouvelle facture? Attends, ça c'est dire Medical Center, c'est-à-dire que c'est payé. Alors, nom du patient, Elena Kowalski, oui, 1, 2, 3, 4, Magnolia, consultation, pour remettre. Alors du coup, montant 28 000 balles, c'est bon, hein, on l'a payé. Ah, on n'est pas en France, hein. On n'est pas en France, mais ça fait plaisir, c'est de plus en plus propre. Mais arrête d'avoir ton téléphone tout le temps. Hein. Oui, sac à merde. Bah oui. Tu m'as envoyé un petit cadeau. Ouais. More customers or more psychos? Ouais, bah tu m'étonnes. Il nous a envoyé un petit cadeau. C'est une blague? Il est où le cadeau? Tu veux la pizza, toi? On peut appuyer sur C et puis on peut, on a 12 points à mettre, OMG. C'est énorme, c'est génial. Général, j'aimerais bien quand même, vraiment, tu me... Non, il faut vraiment que je choisisse entre ça et ça. Réduit le temps de recharge, ouais, on peut dire ça. Tiens, fais-moi voir ça. L'escabeau. Allons-y, ce machin. 9 points? Déjà 9 points là-dedans? Eh ben, dis donc. Ensuite l'eau, le seau, le karcher, est-ce que c'est possible? Nettoyant le karcher, peut-être mettre quelque chose à quelque part. Augmente la capacité d'eau, ouais, ça fait déjà 3 points. Bon bah voilà, on a bien travaillé. Et on a bien travaillé sa maman. Il a fait les courses et tout, et ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça?
Qu'est-ce que c'est des patates? Qu'est-ce que ça fout par terre, ça, OMG? N'importe nawak, hein. Donc, non, reviens. Donc voilà, le jeu est génial, Il coûte une misère, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, globalement. Pas de nouveautés. On va aller se coucher, je sais pas s'il a envoyé un cadeau quelque part. On va aller se coucher, je veux voir ce qui se passe le lendemain. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est de plus en plus rangé? Et franchement, ça fait plaisir. Et ce qui va nous attendre dans le prochain épisode, bien sûr. Ah bah tiens, ça on a fait dans la démo. Ah, it's open. Just come in. C'est la famille. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. No thanks. C'est du champagne? Gros dégueulasse. Mom, what are those noises down there? Fallait pas demander. Oui, il y a deux gamins. Il y a globalement deux gamins. Tomato soup. Il t'a envoyé de la soupe de tomate? Ça veut dire que il fait le ménage et tout et tout. Ouais, j'ai compris, ouais. Patron. That doesn't sound good, but duty calls. Bon, bah voilà. Voilà. On est reparti, chers amis, bientôt. Pas maintenant, tout de suite, hein. On va se quitter, bien sûr. Gros pouce bleu, gros abonnement, j'oublie encore de le dire en début de vidéo, gros nul. Et gros bisous, surtout. Hein, tchou bye bye, à la prochaine. Oui, alors, du coup, ouais, tu vois, tout est toujours de plus en plus propre. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Il y a encore les canards, Non, mais ça, c'est bien, tu regardes, t'as vu? Il n'y a plus de morceaux de pizza qui traînent et de machin. Et voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le chien est bien... C'est-à-dire que quand on n'est pas là, eh ben, il est responsable. Où est le chien? Putain, ça me fait flipper. Où est le chien? Qu'as-tu fait du chien? Il est en bas? Est-ce qu'il est en bas? Il est pas en bas. On a perdu le chien. Putain, c'est pas vrai, c'est quoi ce truc-là? J'avais pas remarqué avant. Ça fait flipper, il doit être de la taille de sa fille. Alors, service nécessaire, ça c'est la prochaine mission. Mission bonjour voisin. J'espère que vous n'avez pas marre de moi, monsieur Kowalski, parce que vous savez, Trisha et moi emménageons ensemble dans un appartement près de chez vous. Peut-être que maintenant il sera plus facile de se rencontrer, de discuter. Ah bah super. Non seulement, mais Big Jim. Alors, il connaît bien Big Jim. Pour le moment, nous louons seulement. Mais tu vois, Big Jim semble m'apprécier et me paie très bien. Peut-être qu'un jour, Trisha et moi pourrons acheter une maison par nous-mêmes. Ça semble incroyable. Nous avons déjà commencé à économiser l'argent. On peut croire que tout se passera si bien. Ouais. Avec Big Jim dans tes connaissances, ça m'étonnerait. Enfin bon, bref, chers amis, on va s'arrêter là. Je vais pas prendre ce truc et le mettre dans le... dégueulasse. Eh ben, pareil, ce que je disais, mais je trouve pas le chien. Où est donc passé ce chien? T'as quand même pas buté mon chien. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non. Mais t'es toujours un bon gars, un bon garçon, hein. Bah oui. Bah, faut pas le dire au chien, il risque de témoigner. Allez, des bisous, tchou tchou bye bye, à la prochaine.